Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Toi, t'as plus la motivation pour aller rouler? 5, c'est le nombre de points que je vais mettre dans ta si jamais t'as plus la motive après cette vidéo. Ouais, je suis vénère, ouais. Alors écoute-moi bien, mon petit pote, parce qu'après ces 5 conseils, je te garantis que t'auras pas besoin de réfléchir. Tu pourras arrêter de te lamenter sur ton sort et tu retrouveras directement la motive pour aller rider, c'est clair? 5. Déjà, première chose, si tu te compares aux autres, c'est mort. Que tu te compares aux autres en te voulant te fixer un challenge ou en te disant putain, c'est stylé, je pourrais pomper son idée pour améliorer mon flow et mon style et pourquoi pas mettre des tricks pareils? Ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne initiative. Là, t'as du challenge et t'as envie de progresser, c'est cool de regarder ce que fait la concu. Mais si tu te mets en tête que t'es plus nul que tous les autres que tu vois et que t'es complètement happé par le système d'Instagram, TikTok, etc. qui te propose les meilleurs algorithmes pour te foutre les plus bons riders du monde sous la gueule et que toi t'es là en mode mais ouais, je suis trop nul par rapport à eux. Et bah arrête d'être débile et concentre-toi sur l'essentiel. Tu sais très bien ce que tu vaux et tu sais très bien ce que tu peux faire. Que tu mettes 6 mois pour apprendre des tricks que certaines personnes mettent 2 jours avant d'arriver à faire, l'essentiel c'est pas là, l'essentiel c'est que tu sois régulier et que tu te concentres sur ton objectif. Quand on veut, on peut, c'est quand même sacrément con comme phrase. Et bah pourtant elle a jamais été aussi vraie que dans cette circonstance. 4. Ouais, mais tu comprends, en ce moment en fait j'ai beau me rappeler et tout, mais j'ai pas le souvenir que bon, tu sais, il y a une alchimie de fou. Mais ferme-la! T'es là à essayer de chercher l'excuse pour pas aller rouler alors que t'essaies de décrire quelque chose que t'as jamais su ressentir autrement qu'en le faisant. Forcément que t'arrives pas à t'en rappeler exactement de la sensation que ça te fait, c'est une sensation unique. Réfléchis 3 secondes dans ta petite tête et souviens-toi que de toute façon c'était indescriptible et que c'est ça qui t'a plu là-bas dedans. Alors prends ta flemme, saupoudre-la un peu de motivation et de régularité et tu verras, ça marchera tout seul. 3. C'est absolument pas la trotte qui fait le rider que tu vas être. Tu peux avoir ta vie avec Xelo toute pourrie qui est pleine de jeux depuis 10 piges, je te garantis que tu peux faire des gros bangers et voire même gagner le fils si t'es chaud, tu vois. Évidemment qu'avoir un meilleur matos ça peut t'améliorer, avoir un certain style, améliorer ton flow et même certains tricks. Mais ça fait pas tout, si t'as aucune motivation, tu pourras avoir la trotte à 1000 balles, de toute façon tu ferais rien avec. Alors sors-toi un petit peu les doigts du cul, prends ta trotte et va rouler. T'as qu'à regarder ce petit clip là de Coetty Donovan qui fait un double bris en flyout avec une trotte, c'est quoi? On dirait même pas une J-Debug. Alors arrête de me raconter n'importe quoi, il suffit d'être motivé pour que de toute façon t'arrives à rider et à plaquer des tricks. Et chaque chose en son temps, hein. Sois conscient que la patience c'est le maître des mots de toute façon. Le temps fera le tri correctement à ta place, t'auras rien à faire. Si, à être régulier et à aller rouler, alors bouge-toi le cul. Quand t'es blessé, alors là par contre arrête de faire le con. Il y a un moment donné où si t'es pas capable de comprendre que tu vas passer d'une entorse à une triple fracture et que tu vas complètement bousiller tes chances de pouvoir rider encore, bah là je peux rien faire pour toi, désolé vous êtes con monsieur. Ouais mais tu comprends, je l'ai juste un petit peu tordu et tout, et c'est pas grand chose, elle est relativement flex, là j'ai pas trop mal. Et ton cerveau il est flex aussi? Même si t'es jeune et que tu te rétablis 4 fois mieux que quelqu'un qui a 27 piges, parce que toi t'en as 12 et qu'une entorse ça te fera jamais la même douleur et le même effet que quelqu'un de plus âgé, sois conscient qu'une blessure c'est une blessure, c'est pas à prendre à la légère. Et encore plus si t'es assez motivé pour vouloir faire quelque chose dans ton sport. Si tu veux percer dedans, mets-toi bien en tête que c'est pas en forçant sur tes blessures que tu vas t'aider, parce que dans 10 piges t'auras plus rien, t'auras plus aucun espoir. Alors arrête tes conneries et quand t'es blessé, repose-toi. Bon, exagère pas non plus, tu te fais une coupure, voilà, retourne rouler, pas de conneries. Et le premier et dernier point, de toute façon, si t'es un minimum passionné, t'as absolument pas besoin de tout ce que je viens de te dire. Ouais, tu peux le prendre et le jeter aux oubliettes, toutes mes conneries là. Tu peux directement y mettre en bouteille, y secouer un petit coup et puis y jeter, ça sert à rien d'y garder en tête. T'auras absolument pas besoin de te poser toutes ces questions et même d'y réfléchir à un moment donné si t'es un minimum sensé et que t'es passionné. Tu fais ce qui te plaît et c'est ça l'essentiel, c'est le but d'un sport libre, putain. Sur ce, like un commentaire et commente un abonnement. Ah oui, à très bientôt dans ce qui est parfait.